J'espère que vous avez faim. C'est tellement agréable de dîner tous autour d'une table comme une famille normale. C'est vrai. Fais griller, Nora. Je m'occupe des fourchettes. Je vais chercher la limonade. Et moi, je passe au dessert. Max, c'est à la fin le dessert. Depuis quand? Depuis toujours, laisse ce gâteau. Bon, tu l'auras voulu. Oh, un fondant au mur. Mais ça suffit. Est-ce que pour une fois, nous pourrions rester tous à table et dîner tranquillement sans que vous utilisiez vos pouvoirs? Je demande pardon. C'est n'importe quoi. Super. Ah, juste une chose. Je ne vois pas ma sauce piquante péruvienne. Quoi, tu vas voler jusqu'au Pérou pour aller en chercher? Thunderman, décollage! Ça, c'est un truc qui me fera toujours rire. Ok, à tout à l'heure, Thierry. Je sais, moi aussi, j'ai trop hâte. Salut. J'ai une soirée fille avec ma copine Thierry. Explique-moi un truc. Avec Max, vous avez plus de super pouvoirs que nous tous. Et ce qui t'excite, c'est de passer une soirée avec une copine. Ça te dépasse parce que toi, tes seules copines, c'est les bactéries que tu as sous les aisselles. Oui, et elle voudrait être copine avec toi. S'il vous plaît, arrêtez de vous chamailler. On doit aimer ses frères et sœurs. Sauf lui qui est super méchant. Ça se fait pas, je suis ton frère jumeau quand même. Où est ton amour fraternel? Cet amour est mort quand tu as décapité mes poupées le jour de nos 5 ans. Ah ouais. Et je regrette vraiment pas. Et maintenant, si ça ne vous fait rien, je vais retrouver mes affaires de génie du mal dans mon antre. Ce n'est pas un antre s'il y a une veilleuse pour la nuit. Un génie du mal, toi? Plutôt un génie du bisou. Où vous allez? Ce soir, j'invite votre mère à dîner au restaurant. Alors c'est Max et Phoebe qui vont vous garder et je sais que ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Ne parle pas à tes dessous de bras, ne grille pas ton frère, n'envahis pas le monde et vous deux, arrêtez de faire des enfants. Bonne soirée tout le monde! Alors la maman, t'as de beau reste. Mais où tu vas alors que je compte sur toi et Max pour garder ton frère et ta sœur? Quoi? Maman, j'ai une soirée fille chez Thierry ce soir. Oui, et moi j'ai une soirée où je ne garde pas des petits. Eh bien, ça a changé. Vous n'allez pas ne pas garder les petits. Enfin... Oui, c'est bien ça. Non, mais... Il n'y a pas une voisine qui pourrait s'occuper de Billy et de Nora? C'est ça, pour prendre le risque qu'ils dévoilent leur super pouvoir à une non-super-héros. Ils feront attention, ils sont grands et responsables maintenant. Allez, danse, petite danse, danse. Arrête, Nora, arrête. Maman, s'il te plaît, Thierry est la seule copine que j'ai pu me faire depuis qu'on a déménagé ici. J'aurais même pas cru que t'aurais pu t'en faire une. Je suis désolée, chérie, mais ton père et moi avons abandonné la lutte contre le crime pour vous donner une enfance normale. Exact, et c'est bien dommage vu que je suis dans la force de l'âge. Oui, avec juste un petit truc en plus. C'est trop lourd. Des fois, je crois que je préférerais qu'on ait pas de pouvoir. Je suis vraiment désolée, Phoebe. Oh, en route, Hank. Tous à la Thunder Mobile! Au minivan! Tous au Thunder Minivan! Non, c'est vraiment juste un mini... Oh, laisse tomber.